Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une nouvelle compilation de 3 tours avec une cigarette. J'espère que vous allez kiffer. Comme d'habitude, la démo est derrière les explications, allez c'est parti. Alors pour l'explication de ce gag là où on fait croire qu'on met la cigarette dans le mauvais sens et ensuite quand on veut la retourner à chaque fois elle se retrouve à chaque fois dans le mauvais sens, c'est très simple hein. C'est un jeu de doigté, donc en fait quand vous mettez la cigarette comme ceci, là avec le doigt vous venez ici comme ceci, pincez ici et en fait dans le mouvement vous faites un 360 avec le pouce pour la remettre à chaque fois à l'envers. Hop, et hop avec le pouce, tac, vous retournez. Et du coup à vitesse normale ça donne ceci. Hop, hop, hop. On a à chaque fois l'impression qu'on retourne et en fait elle fait un 360 mais ça se voit pas, c'est vraiment très rapide. C'est le dernier retournement qui est presque invisible. Et ensuite à la fin, reste plus qu'à tirer, hop, et de le faire comme ceci pour montrer que là ça fonctionne. C'est pas vraiment un effet mais c'est un petit gag à faire pendant la routine. Pour la cigarette qui se retrouve à l'oreille, alors en fait c'est très très simple hein. C'est juste de savoir faire ceci. En fait, vous tenez la cigarette avec l'index et le pouce et le majeur ici va venir et faire descendre la cigarette. Vous voyez, donc on est comme ceci, hop, de devant, hop. Si on se met un peu sur le côté, hop, on la voit plus. Donc très rapidement on pourrait faire disparaître la cigarette, vous voyez, hop. Donc en gros devant, hop. Du coup, si je mets juste la main devant et que je fais semblant de la prendre, là je fais le mouvement. La cigarette n'est déjà plus dans la main, elle n'y est plus, elle a déjà disparu. Et j'attire l'attention vers la main comme si je l'avais prise. Ça donne ceci. On a l'impression qu'elle est ici alors qu'en réalité elle est empalmée dans la main droite. Avec une bonne gestuelle, ça donne ceci, hop. Et du coup, il ne me reste plus qu'à me retourner, faire croire de mettre la cigarette ici sous le coude, en réalité elle est ici. Et ici, j'ai le temps de la mettre dans l'oreille comme ceci. Boum, faire disparaître. Et quand je reviens, elle est déjà à l'oreille. Un conseil, faites ça avec des oreilles propres. Donc je vous remontre, on est comme ceci, hop, on attire l'attention ici, on revient ici, on positionne, boum. Et quand là, pendant que je la mets sous le coude, là je la coince dans l'oreille, hop, boum, boum, elle disparaît, je reviens, elle est à l'oreille, c'est un petit gag. Donc vraiment, encore une fois, là c'est devant le miroir, faut vraiment un petit peu s'entraîner, rien de plus compliqué. Hein. Vraiment, attirer l'attention, jouer avec le regard. Se positionner, boum, 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 ça disparaît, on revient, la cigarette est sur l'oreille. Pour la disparition et la reproduction à vue, comme ceci, eh ben, c'est rien de compliqué. En fait, on est toujours dans la rétention de récupérer grâce au sous-mouvement qu'on tient comme ceci avec le majeur qui vient chercher. Donc la première partie, c'est celle-ci, hein, comme ceci. Et en fait, quand on a fait disparaître, ce qui se passe ici, c'est que vous voyez, la cigarette, elle est tout simplement déjà en position ici pour un empalmage, on va dire, une sorte de tenkai, c'est-à-dire entre le pouce et la paume de la main. Donc du coup, à une main, ça donnerait ceci. Hop, je me positionne, là ça bute. J'ai déjà le pouce en contact. Vous voyez, si je le fais d'ici. Hop, j'ai le pouce. Je peux lâcher les autres doigts, ça ne sert plus à rien. Puisque finalement, elle est déjà empalmée uniquement avec le pouce. Et si j'ai le bon angle, si je me positionne par rapport au regard des spectateurs, là, la cigarette est totalement invisible dans la main pour les spectateurs. En réalité, elle est juste ici. Du coup, il ne me reste plus qu'après venir et produire comme ceci la cigarette. Du coup, si on gère bien les angles, on peut faire ceci, on fait croire de la prendre, on se met en position, là en réalité, on croit que la cigarette est ici, mais non, elle a disparu. On est ici, et en fait, ce qui donne, c'est qu'on va venir, et dans un mouvement, boum, on peut produire du bout des doigts la cigarette. À vitesse normale, ça donne ceci, hop, on vient prendre, on se positionne, ça disparaît, on fait des petits mouvements avec les doigts, et touc, on peut produire la cigarette. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 3 nouveaux tours avec une cigarette. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre le gros pouce bleu, ça me soutient, ça me fait toujours plaisir. Les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et également les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous avez mon école de magie 100% gratuite avec 0 inscription. www.magistreaming, la seule école de magie 100% gratuite en ligne, où vous allez pouvoir apprendre les bases de la cartomagie ainsi que la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, vous avez l'onglet VOD, vous allez pouvoir retrouver des DVD de tours plus élaborés en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. En tout cas, je vous laisse checker tout ça dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.